Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire, et je vous demande, est-ce que vous vous laissez influencer par le regard des autres? Il y a quelques années, j'ai assisté à une rencontre d'anciens moniteurs de camps de vacances où j'ai travaillé lorsque j'étais plus jeune et surtout beaucoup plus maigre. À la blague, j'ai dit à une amie, Isabelle, que si elle se mariait dans les 12 prochains mois, j'étais prêt à faire la cérémonie gratuitement. Vous devinez la suite. Après à peu près 2 semaines plus tard, je reçois un courriel d'un certain Patrick me disant qu'après plusieurs années de demande en mariage, Isabelle avait finalement dit oui, à condition que ce soit moi qui célèbre. Naturellement, j'ai accepté. Le jour venu, tout s'est bien déroulé. Mais un peu plus tard dans la soirée, un autre ancien moniteur du camp de vacances, présent à la noce, est venu m'avouer que malgré mon aube et mon étole et tout, il avait l'impression que j'allais présenter le grand jeu de l'après-midi comme je le faisais 20 ans plus tôt. Une des choses que ma mère m'a apprises est qu'on ne peut pas contrôler la perception des autres. Certaines personnes qui m'ont connu à l'époque où je portais des robes pour divertir des enfants ont beaucoup de difficultés à imaginer que je suis aujourd'hui un pasteur. Et pourtant, on pourrait dire. Non, comme je le répète souvent, les êtres humains semblent avoir un besoin viscéral de catégoriser, de définir ou de mettre dans des toutes petites boîtes les personnes autour d'eux. Et une fois que cette perception est bien ancrée dans leur cerveau, il est très difficile de la modifier. Malgré l'âge ou malgré les accomplissements, nous demeurons toujours pour elle ou pour eux la même personne. Le fils de Julien, le clown de service ou la fille qui a des idées et des valeurs un peu bizarres. Peut-être avez-vous vécu le même genre d'expérience en parlant de foi ou de religion avec des gens autour de vous. La majorité de la population aujourd'hui a une perception bien précise des grandes religions de notre monde et le christianisme ne fait pas exception. Et nous pouvons tenter d'expliquer que nous ne sommes pas tous et toutes pareils. Nous pouvons affirmer qu'il est possible de croire en Dieu et être progressif, ouvert d'esprit et croire en la théorie de l'évolution. Nous pouvons proclamer que nous essayons de construire un modèle de communauté de foi différent à Sainte-Claire. Mais plus souvent qu'autrement, il n'y a rien à faire. Dans l'esprit des gens, il n'y a aucune différence entre 1951 et 2021. Le texte d'aujourd'hui débute par le retour de Jésus dans le village où il a grandi. Il revient à Nazareth avec des disciples après avoir calmé une tempête, exorcisé un homme tourmenté par de mauvais esprits, guéri une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans et ramené à la vie la fille de Jaïrus. Après ce palmarès assez impressionnant, nous pourrions nous attendre à ce que les habitants du village soient fiers du succès de l'un des leurs, qu'ils le traitent comme un héros local. Mais dès que Jésus se met à enseigner dans la synagogue, les critiques commencent à se faire entendre. Pour qui se prend ce jeune homme? C'est le charpentier, le fils de Marie. Et remarquez, je n'ai pas dit le fils de Joseph, parce que je ne veux pas faire ma langue sale, mais nous connaissons tous et toutes l'histoire de la conception de cet enfant.
Et pourquoi serait-il plus spécial que ses frères et ses sœurs qui habitent encore parmi nous? Voyons! Et maintenant, il faudra croire qu'il est le Messie. Soyons sérieux pour un instant. Non, 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 non. Ce jeune homme doit apprendre à demeurer à sa place. Voilà. Le grand retour de Jésus à Nazareth est un échec retentissant. À part la guérison de quelques malades, il n'a pas pu accomplir d'autres miracles. Les gens de Nazareth n'ont pas été capables de dépasser leur perception initiale de Jésus. Cette expérience décevante aurait sûrement découragé la majorité d'entre nous. Elle aurait pu nous amener à croire en la perception des autres, en notre sujet, et que nous ne pouvons pas aller outre nos caractéristiques d'origine. Mais comme nous le savons toutes et tous, Jésus n'a pas baissé les bras. Au contraire, il envoie ses disciples en mission immédiatement après cet échec. Les anciens pêcheurs, collecteurs d'impôts et autres gagne-petits sont envoyés enseigner dans tous les villages des environs, sans formation ou autorité spéciale. Et Jésus les prévient qu'ils ne seront pas toujours bien accueillis, ni même écoutés. Dans ces situations, les disciples ne doivent pas perdre leur temps, ils doivent passer au prochain et au prochain, jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un d'intéressé par leur message. De nos jours, plusieurs sont convaincus que leur mission est de convertir tous les habitants de la planète au christianisme. Ils et elles vont insister, voire harceler, des personnes pour qu'elles acceptent Jésus comme leur sauveur personnel. Mais nous le savons tous et toutes, l'expérience de la vie nous a enseigné que le résultat de ces démarches mène très souvent à des conflits inutiles. Non, nous sommes plutôt appelés à imiter Jésus. Nous sommes invités à aller à la rencontre de tous et de toutes, à laisser peut-être derrière nous ceux et celles qui ne sont pas capables de dépasser leurs préjugés et à travailler avec les personnes qui sont curieuses et veulent nous écouter. Comme plusieurs de nos jours, les habitants de Nazareth n'étaient pas prêts à accepter que leur perception envers une personne qu'ils connaissaient soit erronée. Selon eux, le petit gars de la place ne pouvait pas être autre chose que le fils de Marie. Au lieu de tenter de les convaincre, Jésus a tout simplement continué son chemin pour rejoindre ceux et celles qui étaient prêts à l'accepter. Il n'a pas laissé les préjugés des autres ou l'échec le définir. Puissions-nous nous inspirer de cet enseignement pour le reste de nos vies. Encore une fois, merci d'être là. Que vous écoutez sur YouTube ou sur Facebook, n'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager et de vous abonner, plus particulièrement à notre infolettre, dont le lien est en haut ou en bas de la capsule. N'oubliez pas d'appuyer notre ministère aussi, afin que nous puissions grandir et rejoindre plus de gens. Aussi les liens pour les dons en haut ou en bas. Prenez soin de vous. Bye bye.